J'aime bien attendre un peu comme ça. Non, ben voilà, je veux dire, 3-7-1. Je pense qu'on a fait un joli match, mais bon, là, ce coup-ci, on a vraiment vu ce que c'était un gamin. Toujours en train de kiner entre les points, dès qu'il est mené de 2 points, donc forcément. Mais ça lui apprendra une petite vidéo comme ça lui fera du bien, il pourra se la repasser, il dira putain, je suis un connard, j'arrêtais pas de kiner, je faisais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, ça. Et donc voilà, mais bon, je pense que j'étais quand même bien supérieur à lui. Donc. Sur ce match-là, il n'y a rien à dire. Je crois qu'on a fait un premier set costaud où je pensais être largement supérieur et j'ai fait l'erreur que je fais habituellement. Je pensais pouvoir passer assez sereinement et finalement il a élevé son niveau de jeu, il était vraiment costaud. Et après ce premier set gagné à l'arrache grâce à quelques services manqués, je crois que j'ai dévissé et mentalement j'ai eu un comportement pas génial. Après j'ai laissé filer, je l'ai regardé jouer. Avec Varillon, c'est la sanction tout de suite. Donc, une défaite logique. Voilà, donc je crois qu'on reste sur une victoire chacun. Et au nombre de 7, je passe devant puisque j'ai gagné un 7 de plus que toi. Donc voilà, je ne reviendrai pas sur les insultes dont j'ai été victime avant le match et même pendant. Voilà, le résultat est là. Quoi. À une prochaine, j'aurais dû essayer de rester un peu dedans, mais bravo quand même à M. Varillon qui a su élever le niveau de jeu et revenir et voilà, renverser la situation. J'ai pas été assez méfiant comme d'habitude, il a de la ressource, c'est mieux. Le vieux n'est pas fini. Ouais.